Salut à tous, on se retrouve sur le Sharp 60 000. Vous avez été nombreux à me demander où est-ce qu'on a des ROM, des packs pour le Sharp. Voilà, et j'ai trouvé un pack, vous aurez le lien en description. Il faudra télécharger les 4 fichiers. Vous les mettez sur BattleSera, donc moi ça marche sur la dernière version. C'est déjà scrappé, hein. Ça fait à peu près 4 Go. Et comme ça, vous pourrez jeter un petit coup d'œil voilà, aux jeux de la machine. Alors attention, il y a des jeux peut-être un petit peu coquins. Il y a des jeux qui se lancent pas malheureusement, j'ai eu le cas sur le Castlevania. Voilà, mais on va regarder un petit peu ce qu'il y a comme jeu, vite fait. On va regarder ça, ça c'est un jeu de réflexion apparemment. Bodhidharma. Donc moi je tourne sur un PC, parce qu'il y a des jeux où des fois il faut appuyer sur le clavier. Voilà, ça charge. On attend un petit peu. Insert quoi, hein. Donc là, il y a deux touches, hein, A et B. On va jouer contre l'ordinateur en appuyant sur la touche A comme c'était sur une manette de Nintendo. Ou même pas, vous voyez là, c'était la touche A normale de votre Xbox. Voilà, et donc là, il faut aligner les Daruma, je présume. Alors, il faut faire des piles de combien? Là, ils sont par 3, ils disparaissent. Voilà. Mais là, les trois rouges doivent disparaître, non? Ouais, voilà, ils disparaissent. On dirait un Puyo Puyo, mais c'est un Puyo Puyo, il faut faire des combos, et c'est pas moins fort les combos. Et de l'autre côté, il y a un sablier, je sais pas à quoi il servait, il y a des sabliers en fait qui sont apparus. On va les faire péter les sabliers, vous allez voir là. Voilà, le vert s'aligne, mais il manque un vert. C'est pas grave, on va voir trois bleus. Alors, deux bleus et le sablier, ça fait rien. Et là, il y a 4 bleus plus sablier. Je sais pas comment on fait partir le sablier. Oui, je sais, il faut des verts, mais j'ai pas de verts, moi. Il va y avoir double combo, le rouge et des bleus, là. Pourquoi j'ai plus de verts? Merde, je me suis trompé de couleur. Ah ben, les verts, ils arrivent. Ok, donc en fait, il y a des couleurs qui disparaissent. Et là, elle m'a mis des sabliers. Voilà, allez, on va faire tomber les verres ici. Merde, j'ai plus le temps de regarder les couleurs. Le noob. Voilà, on met un bleu. Voilà, 4 bleus. On va mettre les rouges au milieu. Là, c'est comme un Puyo Puyo, un petit peu. Ça fait des Daruma, là, leur truc. Là, les trucs rouges. Non, je me suis trompé. Ah, c'est bon. Là, je suis mal barré. Trois verts. On va aligner les bleus ensemble. Bon. Et ben, je suis mort. Je me vais tuer. Voilà, donc un petit jeu réflexion. Non, 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 regardez, le personnage, il pleure. Bah non, on va pas continuer. On va changer de jeu. Donc ouais, il y a des titres qu'on connaît. Regardez, il y a du Bomberman, c'est du classique. Il y a les Bonanza Bros, vous avez dit. Voilà, après, il y a des jeux de Mahjong, il y a des questionnaires, donc il y a beaucoup de jeux. Voilà, j'ai zappé le jeu en dessus, Bono Yubiku, parce que c'était l'image était un peu trop sexy. Bah tiens, il y a Puyo Puyo, mais c'est Bo Yon Yon. Ah, il y a des RPG, hein. Il n'y a pas que des jeux faciles. C'est pour ça que je vous ai dit, la machine ne sortira pas en Europe. Je pense pas. On va faire un Bubble Bubble. Voilà, Bubble Bubble, maintenant pour le 60 000. 89. Allez, un joueur. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Alors, là c'est pour le saut, et ça c'est pour la boule. Hop là, 3 d'un coup. Ah, j'ai oublié lui, tiens. Donne-moi la glace, toi. Manger des bananes, c'est bon pour la santé. Un de mes jeux préférés, celui-là, je vous le savais, sur Master System. Là, l'avantage, voilà, c'est qu'il n'y a pas de clignotement de sprite. On va récupérer le cristal. Merde. Oh putain, j'ai eu de la vache. J'ai eu de la chance de me tromper de bouton.
À moi les bananes. Ah bah lui il tourne nickel. Hein. La dernière fois on m'a demandé le jeu de Street Fighter, c'est le Barcelona. Je vais vous montrer. Voilà, parce qu'on est dans les B. Ah oui, les jeux obscurs. Hein. Là il faut mieux parler le japonais. Il y a du Sailor Moon. Donc là je vous ai dit que c'était Barcelona. Hop là, voilà, Barcelona Fighter 92. Et lui, vous avez besoin du clavier pour le démarrer. L'écran va s'afficher, et voilà, donc on a trois choix. Alors, j'avais essayé l'autre version qui est avant, et c'était le choix entre 1 et 2 pour les BGM. Là, je vais appuyer sur la touche 1, enfin le clavier numérique 1, sur le clavier, voilà. Le jeu LTT. Ah, c'est écrit en japonais. Ah bah d'accord, donc l'autre version c'était Ken et Ryo, et là c'est... Voilà. Là c'est Vega mais en méga. Putain, il est rapide, hein. Allez, viens ici. Fin Mario Ken. Ah, je vous dis, mais à l'époque, bon, peut-être que tout le monde avait pas ça au Japon, mais il y en a qui ont dû s'éclater quand même. Hein. Donc je suis en rouge, moi. Ouais, regardez, il me fait un hurricane. J'ai le lose. C'est peut-être l'émulation qui est rapide. C'est pas des plus faciles. Hein. L'autre, il est en train de me shooter, mais... Allez. Je me suis fait défoncer. Voilà, tiens, on va zapper comme ça, de B en B, enfin de... 10 en 10, là il y a le Tetris 3D. Voilà. Oh là, la jaquette est jolie. Hein. Ça c'est quoi? On est toujours dans les B, j'ai pas regardé combien j'avais de jeux. Ah bah ça vous connaissez, c'est la bille qu'il faut bouger, Camel Tree. Ouais, Can Can Bunny, je pense que ça va être coquin, on va aller voir celui-là. Camel Tree. Voilà, Taito. Donc je rappelle qu'on ne sait pas s'il y aura des jeux sur le Mini 68000. Quels jeux ils mettront. Hein. S'il y a des jeux, vu que c'est pour le Japon, bah voilà, il y aura sûrement des RPG japonais. Alors, un player game. Beginner course. Ah, je peux pas jouer. Peut-être qu'il faut aussi une souris. Hein. Non, j'ai pas de trackball moi. Ouais, vous voyez, celui-là, par exemple, je pense qu'il fallait un trackball. Parce que je vous rappelle que sur la mini qu'on a vue, la souris, on peut enlever le haut et ça fait un trackball. Donc là, on peut pas y jouer avec la manette sur celui-là. Voilà, ça, on peut pas y jouer avec la manette. Ouais, non, il y a marqué... On va éviter tout ça, hein. Il y a des jeux bizarres, quand même. Ah bah tiens, voilà, il y a Shai SQ. Ça, c'est un classique. Oh, la belle petite musique. Waouh. Ouais, ouais, on start. Il faut arrêter, machin. Allez, on y va. On est parti, les amis. Donc on appuie sur la flèche haute, enfin le stick haut pour moi, pour accélérer. Et le bouton B permet de changer la vitesse. Voilà. Le bouton A, je sais pas à quoi il sert. Voilà, la double camion. Retour à le futur, la double Porsche. Ça c'est quoi, une Lamborghini? Pousse-toi toi. Ah mais non. Allez, il faut se mettre en vitesse lente. En haute vitesse. Bon, ça vaut pas une outrun quand même. Hein. C'est la radio qui parle. C'est lui, il faut le shooter. C'est bon, je suis à fond là, je peux pas faire plus vite moi. Quelque chose à faire. On va faire ça sur la route.
Mister Bon, ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est les jeux, je trouve, qui ont mal vie pour moi, les jeux de course. Je suis pas assez rentré dans les fesses. Bon, time up. Pour les fans, je pense. Donc, on a quoi? Oula, il y a des shoot'em up aussi, hein. Code Zero, ça je connais, ça me parle. Et Circus Circus en italien, bah Columns. Comment on dit que ça? Voilà, c'est un shoot'em up, mais ça a l'air d'être un peu pauvre. Ouais, le Cotton, je vous avais dit. On va voir s'il se lance, tiens. Electronic Arts? Je savais pas que c'était eux qui l'avaient fait. Bon, bah je suis désolé, le Cotton ne se lance pas, il reste sur la musique. Voilà, c'est le problème de l'émulation, hein. C'est pas parfait. Voilà, c'est dommage parce que la version que j'avais, il se lançait. Là, on va essayer de modifier quand même les réglages. Écoutez. On va les configurations avancées du jeu. Taille de la RAM émulée, on va marquer 2 mégabits. Voilà, on va essayer. Il n'y a pas d'émulateur à choisir. Non. C'est dommage. Voilà, la version que j'avais avant marchait, ça ne marche pas. Voilà, il faut peut-être attendre longtemps que ça charge. Ça, je vous l'ai dit, malheureusement, voilà, il y a des jeux qui ne s'en seront pas. C'est quoi, sacré sainte? Voilà, il y a un truc déjanté. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Ah, bah attendez, il doit y avoir le Darius. Bon, j'espère que le Demakamura se lance. J'ai dû zapper des jeux encore, rien, parce qu'il y a des jaquettes qui sont un petit peu coquines. C'est pas pour les enfants. Alors, copyright 93. Voilà, c'est la version arcade, on aura la musique quand on aura appuyé sur le bouton start. Des bisous, oh mon prince, mon beau chevalier. Voilà, j'ai zappé. Hop, sur mode. Ah, non, non, il y a Easy 1, on va mettre Easy 1. Easy 1. Ça, c'est les modules, ok. Oh, tout le monde est mort! Ma princesse! Hé 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 hé. Je suis le méchant. Voilà, le coffre est ici. Le magicien, forcément. Pour bien commencer le jeu, un magicien. Allez. Allez, le coffre. Mais encore? Ah, donne-moi ça, toi. Ça fera des points. Ouh, sinon j'ai failli me faire tuer par l'oiseau. Et en mode, j'aime en mode easy quand même. Hein. Bon, après, vous me direz, c'est pour les japonais. Et j'aime bien jouer comme des dingues. Ah, un coffre. C'est bon, j'ai tué la plante. On va récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Ah, il est flamuche. Les petites flammes, je sais pas ce qu'il y a de mieux. Surtout pour les oiseaux après. Ah, me suis pas à toi là-bas. Ah, l'épée. Oh merde. Ça va, l'épée, une bonne portée. Lui balayer les piafs. On va attendre que le rasoir tombe. Là, il va y avoir le vent. Putain, en plus, c'est le piaf qui me suit. Tiens, viens ici, toi. Ouh, de justesse. Merde. Non. Bon, bah, c'est mon ski, là. Ah, lui, il se lance assez bien. Ah, bah, c'est bien, j'en pars d'ici. Allez, laissez-moi passer. Ce skill. Hé, avance. Mais j'ai avancé, il a pas avancé, quoi.
Je crois que ça me demandait, c'est pas la maître qui déconne. Ça m'a fait pareil l'autre jour sur le Asté Bros là. Là, il y a des fois où la manette marche pas, quoi. Ah, il y a un coffre. Zab. J'aurais pas dû regarder le coffre. Bon, on va changer de jeu. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de beau comme jeu? Dis donc, t'as l'air coquine, toi. Hein? Ah bah oui, il est là, le Darius. Voilà, il y a un Darius. Alors là, il y a plusieurs... Donc, je sais pas comment ça marche. Hein. On va essayer l'extraversion. Voilà, on va voir ce que ça vaut. Maintenant, on charge Darius. Warning, ok. Ah ouais, mais alors là, dis donc. Faut jouer sur un écran spécial ou quoi? Parce que je suis tout petit là. J'ai pas le temps de voir les missiles qui me tirent. On peut rien faire. Et oui, dis donc. Voilà, c'était beau, hein, vous avez vu. Ce fut rapide. Ah, on va voir ça, tiens. Death of Brad. Oula. C'est quoi ça? Alors lui, on a serré les disques. Donc comme ça, on a les deux disques. Mais normalement, il y a les deux disques, vous voyez. Si j'appuie sur L2. Voilà, les disques sont là. Non, voilà. Ça, c'est le problème, hein, je vous l'ai dit. C'est sympa à regarder, mais vous avez des jeux, voilà, on ne sait pas trop comment ça se marche. Un petit donjon explorer, on dirait. Ah, allez voir celui-là, Dead Fighter. Voilà. Battle Alert, ça va être un éditeur sorti du grenier, ça. Allez, start. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ce truc? On dirait un jeu de Brandsara le soir, là. Mais c'est quoi, c'est des hitbox? Allez, viens ici. C'est spécial, hein. Ah, Twinbee, allez, on va essayer Twinbee, on va prendre le premier. Alors. Voilà, vous voyez, ici, il faut choisir. Donc, je vais taper 1. Voilà, c'est pour ça que vous aurez besoin d'avoir un clavier. Ah, la musique qu'on connaît, l'intro. Allez, faites tomber les cloches. Garde appuyé. Faites attaquer par les fraises, ah oui. Et l'autre, c'est les bombes. Mais non, c'est les tournées navets, tiens. Oh, c'est joli cette push. C'est très classe. J'ai toujours adoré Tunby avec son petit côté mignon. Ah, j'ai vu une cloche violette. Hop là. Bon, j'ai connu plus rapide, mais écoutez. Ah oui, ça c'est le truc. C'est la framboise. L'attaque du Raspberry Pi. Merde, la cloche était bleue. Ah, attends, maintenant je veux la cloche bleue. Loupé. C'est quoi cette ambulance? Je ne sais pas qu'il y avait une ambulance qui soignait, mais bon. On passe la vallée. Ah non, il y a quand même de bons jeux. Hein. Même si on en aurait quelques-uns, je vous dis qu'ils s'en seront pas. Qui bloqueront. Et on saura jamais pourquoi pour ceux qui parlent pas le japonais, quoi. Donne-moi la pêche. Il balaye les chars. Ouh, des oranges. Allez, c'est le bal des cloches. Tiens, ça fait tout exploser, non? Ah, je suis mort. Bah ouais, le Toonmi, il sens bien, écoutez.
Je sais pas si on peut save state, je vais regarder. Non, pas de sauvegarde instantanée dessus. Pas de save state. Bon, là, on est que dans les dés quand même, hein. Ce qui veut dire que voilà, vous avez des centaines de jeux. Bon, Dig Dug. Il y a Dinoland, il y a le Flipper. On va aller un peu plus loin. Un jeu de romantisme, oulala. Un jeu de cartes. Un jeu qui a l'air coquin, ou un jeu d'aventure. Dragonite, il doit y avoir le Dragon Saber, je pense, normalement. Tiens, il y a Dragon Quest. Ah ouais, Dragon Quest. Là, c'est pas... Il y a des jeux qui sont pas scrappés, ouais. Dragon Spirit, que j'ai vu sur la PC Engine. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je crois qu'elle va nous dire que le jeu se lance pas, si? Ah non, c'est bon, voilà. Il fallait juste attendre un petit peu. Tout, 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 tout. Je crois que c'est le premier jeu auquel j'ai joué sur la PC Engine, enfin la Choreographix, quand je l'ai vu. Voilà, il se transforme en dragon. Et c'est un peu comme Toon Bee, vous avez le... Alors après on peut avoir deux têtes. Le tir au sol, voilà, je me trompais de touche, et le tir, tir bleu c'est pour toucher au sol, le tir orange c'est pour shooter ce qu'il y a en face. Le monstre du Loch Ness, regardez là je vais shooter. Et normalement on loot les armes dans des petits œufs. Oula. Bon, je suis jamais allé bien loin sur, sur Choreographix, malheureusement. Ah voilà c'est ça, là il faut looter le bonus. Ta 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 ta. Il a disparu. Oula, et l'autre il a fait un roulé-boulé en arrière là. Non! J'ai mouru. Faut essayer de les shooter le plus vite. Voilà, là-bas il y a le bonus bleu. Ah voilà, j'ai deux têtes. C'est ça, les bleus c'est le nombre de têtes, je crois. Et les oranges c'est la puissance de feu. Ah ça, je me rappelle des chauves-souris. Ah, j'ai perdu une tête. Oula, il y en a beaucoup là. C'est fini ou quoi? Il m'attaquait. Laissez-moi vivre. Oh là, pas de ce côté, de ce côté, il y a trop de monstres. Ah, et l'autre il brille, il doit y avoir un bonus, mais je vais pas tuer. Je me souviens pas des fleurs, tiens. Sur PC Engine, il me semblait qu'on arrivait directement dans la mer bleue. En même temps, la mer est en général bleue. Et qu'on les shootait tous. Bon. Arrêtez là pour lui. Mais ouais, pas mal de trucs, hein, qu'on soit pour aller voir. Ah, il y a le Fantasy Zone. Classique des classiques. Voilà, chargement. Pas mal, Sega. Un Sega, sur une machine qui n'est pas Sega. Voilà, donc vous alternez sur les boutons, et là, vous voyez, c'était le bouton B pour mettre des crédits. Je l'ai eu dans les jeux Master System, celui-là, il était joli, mais il était pas facile. Et ouais, il était pas cher. Voilà, là on peut jeter les petites bombes. Et normalement, il doit avoir ses petites papates si on le met sur le sol. Et il a ses petites papates. Oula, 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 oula. On va tuer les quicks. Ah oui, c'est vrai qu'il faut récupérer la thune. Il faut tuer l'oseille. Et puis il y a cette petite inertie aussi là. Ah, j'ai pas vu que changer de couleur. Oui, mais il est plus dur que la version Master System, je suis mort deux fois. C'est fou ça. Alors, on va aller voir quoi. Final Fight, tiens. En espérant qu'il se lance. Ça a l'air, ça a l'air.
Merde, j'ai mis les options, je crois. Ah, oh, Pongaï. Ah non, ils ont enlevé ma copine. Rends-moi ma blonde. Ici, laisse-moi te frapper. Top là, j'ai trouvé un truc, je sais pas ce que c'était, on aurait dit un paquet de clopes. Viens ici, toi le bleu, en bleu. Tu veux une baigne? Hop là! Allez, le punk, hein, comme d'habitude, le punk en jaune. Voilà, un petit signe radioactif dessus. Et non, tu peux shooter. Waouh, des lingots, qui c'est qui a mis ça dans la poubelle? Ma prenne est limitée hein, pour les coups, c'est deux boutons là, voilà. Un hamburger, merci. Un marteau. Voilà, hop. C'était la simplicité, bouton A, bouton B. Allez, on met trop. En bas distance, vous voyez. Voilà, vous pourriez jouer. Il y a quoi dans cette grosse boîte? Oh, un tuyau! Le gros tuyau! Ah, je vais regarder le tuyau. Merde, c'est vrai qu'il y a le gros. Aïe, 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 ils sont en train de me shooter. Mais parez-vous des gros. Voilà, tiens. Hop là, allez, on balance un gros. À toi. Et c'est le punk. Hop, je prends manette. Je prends le couteau, je veux dire pas la manette. Allez, viens ici, toi. Et il se lance celui-là, écoutez. Sympa. Voilà, après, bah, vous voyez, vous avez quand même des jeux. Bah, regardez, c'est le... Comment il s'appelle celui-là? 10 de chute? Je sais plus, il fallait faire aligner les 4 trucs, quoi. Bon, voilà, il n'y a pas que des super jeux non plus. Ça, c'est... C'est Frog. Ah ouais, Frogger. Vous avez quoi? Bah, Galaga, Galaga 88, Galaxian, ouais, c'est du rétro. Hein. Oh, Garou Densetsu, quand même. Avec deux boutons. Ah, mince, un cerf disque. Il n'y a pas le disque. Voilà, donc lui, ça va être pareil, qu'on peut pas le lancer. Malheureusement, c'est pas moi qui fais le pack. Hein. Voilà, je vous ai mis le lien dans la description. C'est un autre youtubeur qui a fait le pack. Bon, et lui, vous voyez, c'est comme Castlevania. On a. Si. Ah, ça, non, c'est bon. Parce que Castlevania, on avait la musique, mais pas l'image. Voilà, c'est bon. Ok. À la plage, à la plage, on va à la plage. Je comprends pourquoi il y a un adaptateur pour... Ah bah non, mais lui, il veut le disque C, quoi. Il veut le disque C. Il n'y a pas le disque C, il y a que deux disques, là. Ah non. Bon, voilà, hein, c'est dommage. Ouais, il y a des petits jeux aussi, des petites parodies de jeux, là. Oh, ça, je sais pas ce que c'est un chiant. Jiminy Wing... Je me demande s'il y a Vigilante dessus. Ce serait bien le style de machine d'avoir Vigilante. Voilà, c'est spécial, hein, les jeux. Ah, c'est quoi, ça? Ça a l'air sympa, Girl Paradise. Mais c'est en japonais. Alors là, c'est un jeu de photos. Bon, apparemment, il y a des Gradius, Granada, qui était sur la Mega Drive, Granada. Voilà, je suis allé plus loin. Il y a Evinova. Magnifique. Alors ça, c'est un Game & Watch dessus. Un Game & Watch. Uma Interlime. Ouais, ok, ça va être des jeux japonais. Ouais, sympathique, les trucs. Là, il y a des petits Joel Master.
On va aller voir, tiens. Ah, je vais appuyer sur Entrée. Voilà, il faut juste appuyer sur Entrée sur le clavier pour celui-là. J1 Master, allez, contre l'ordinateur. Ok, il faut aligner les boules, si je puis dire. Ah, mais par contre. Voilà, on peut les aligner que sur les cases par 3 en fait. On peut pas les mettre au milieu. J'ai aucune idée ce qu'il faut faire, c'est désigner par 4 les boules. On va essayer de mettre. Ah, une diagonale. Ah non, regardez, ça change les couleurs des autres à côté. Ah d'accord. Je viens de comprendre. J'essaie de regarder ce qu'elle fait à côté, elle les met dessus. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire, je crois que je vais perdre. J'ai perdu. C'était pas très excitant comme jeu. Et voilà, vous voyez, on est que dans les i. Hein. Là, c'est pareil, c'est quoi ça? Allez, un jeu de combat, on va aller voir. Ce que j'aime bien, c'est que la musique avant les images sur cette machine. Ah, Lim Fighter, Lim, je connaissais Lamu, hein, Lamu. Allez, un joueur. Alors, je peux plus choisir. Je peux plus choisir la fille. Donc j'ai les cheveux roses. Viens ici, prends ça. Coup de pied, coup de poing. Hop, 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 hop. Ouais, elle fait des super coups, l'autre. Je connais pas les super coups. Allez, viens ici. Hop là. Ici. Prends ta fessée. Je vais pas le faire, moi, le super coup. Tiens, regardez, j'ai pu la mettre KO. Enfin, pas KO. Il a renversé. Allez, je vais la tuer. Ok, bon, c'est pas excitant, mais en même temps, c'est des jeux de 90, on va dire. You win. Alors, ça, je sais pas ce que c'est, intro pro. Il y a un truc, faire des intros, ça c'est Parodius par contre de dessin. Il y a d'ailleurs le Parodius, je pense. C'est quoi ça? Un jeu digitalisé? Là c'est un jeu de combat de filles? Ah ouais, c'est celui-là. Là, il y a plein de trucs à explorer, je pense. Peut-être qu'on devrait se faire une soirée dessus, mais bon. Ah, c'est quoi? Il faut le système d'exploitation. C'est dommage, je voulais voir le jeu, moi. Bon, voilà. Ça, vous l'aurez souvent. Vous aurez souvent ça, les jeux qui se lancent pas ou le truc. Ah ouais. Beaucoup de jeux de collège, hein, beaucoup de jeux. Oh putain, mais c'est vieux ça. Les jeux Space. Il y a Clax. Bien connu, Clax. La princesse croissante, je vous l'avais montré. Ça, c'était un peu spécial. Y a pas la battle, là-bas, y a Lemmings. Bon, bon, Lemmings, j'appelle jeu parce que j'ai pas la souris, mais y a Lemmings dessus. Voilà, y a de quoi faire, hein. Y a un jeu qui s'appelle Libido, j'ai peur. Effectivement, on peut pas cliquer sur le jeu Libido, hein. Tiens, on va aller voir ça, y a plein de petits jeux comme ça. Voilà, maintenant, ça charge. Ah, joystick, joueur 1. Par contre, c'est un fan de Street Fighter. J'ai vu aussi un jeu avec un Blanca. Là, j'ai shooté. J'ai vu un jeu avec un Blanca. Où les personnages descendaient devant lui. Bah, j'ai gagné. Ok. J'ai l'impression que l'ordinateur réagit pas. En fait, ouais, c'est pour ça que je gagne. C'est Space, ça. Ah, vous avez Lode Runner, c'est du classique. Il y a Macross.
Marsh and Maize. Pas de Metal Slug. Je sais même pas si c'est déjà sorti. Mickey, ah, sympa celui-là, tiens, Mick and Fly. Voilà, puis après, je vous dis, il faut explorer, là, c'est pour faire la vidéo. Je vais pas vous faire tous les jeux, mais il faut explorer. Il y a des jeux sympas, il y a des jeux coquins. C'est bizarre, ça. D'accord, le tir est ici. C'est la première fois que je vois un générique sur le début du jeu. Ok, le Auto Fire. Ok, ils sont mignons les personnages. Par contre, ça va très vite. Hein. Je sais pas si c'était comme ça sur le jeu original. Ah, bah, je me suis fait toucher là. On dirait un Bomberman volant. Ah, ouais, je peux me truper là. Oh là, attention, je me suis pris la boule. Ouais. Game over. Ouais, des jeux qui sont soit très rapides, soit c'est très dur. Hein. Après, voilà, je vous dis, vous avez des jeux spéciaux. Il y a plein de jeux pour adultes. Ah, bah tiens, Mokona, c'était. Ah, je me rappelle plus du dessin animé. Mais j'en avais vendu, moi, des Mokona, des peluches Mokona. Les peluches Mokona, j'avais vendu un paquet il y a. Pff, il doit y avoir 20 ans de ça. Ah, je pense qu'il doit y avoir des homebrew de l'époque. Enfin, déçu pour le Castlevania, en tout cas. Ok, c'est pas un jeu qui restera dans la mémoire celui-là. Voilà, game over, c'est infernal ces jeux. Voilà, vous avez Nemesis Gradius, regardez, il y a, ouais, il y a des jeux coquins. J'ai déjà vu ça quelque part. Tiens, il y a quand même Pac-Man, Pac-Land, Pac-Mania en 3D. Ah, il y a Parodius. Un petit coup de Parodius, allez. Puis après, on ira voir le Street Fighter. Alors, va-t-il se lancer? Oui. Ta-ta-ta-tam-tam-tam-ta-ta-ta-tam-ta-tam. Je sais pas où ils ont mis la touche start. Non, c'est dommage, vous voyez, si quelqu'un sait comment lance le jeu, vous me le direz. En tout cas, voilà, la manette, j'appuie de partout, mais ça fait rien. Ben non, ça c'est pour venir ici, c'est la reset. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça sortira jamais chez nous le mini, c'est trop compliqué. Enfin, ils feront des jeux qui sortent en un clic, je pense. Mais voilà, c'est les trucs, c'est. C'est un peu spécial, hein, il y a un pinball quand même. Ah non, bah ok, ça c'est le pinball de la Nintendo, quoi. En plus, c'est marqué Nintendo.com. Il y a l'aspect sérieux, il y a plusieurs versions, apparemment. On va voir Street Fighter, nous, Street Fighter. Ah, du Star Wars. Waouh, l'attaque de l'étoile de la mort, dis donc. Il y a Davectrex. Ah, il y a Street Fighter. Voilà, Street Fighter pour les 68 000, mais il y a deux touches sur la manette. Donc pour ceux qui ont vu mon live vendredi, vous avez vu qu'il y avait un adaptateur pour brancher la manette Capcom à 6 boutons quand même. Papam, pam, pam, papam, papam. Pouh, c'est pris un pain. Street Fighter 2 Prime même. Allez, game start. Alors, Vega, c'est ça, c'est comme ça moi, que j'ai connu un Vega. Bison. Non. Non, en fait, moi quand j'ai connu Bison, c'était lui et lui c'était. C'était. Lui c'était Vega l'espagnol. Ah, prendre Chun-Li. Chun-Li. Ah non, vous voyez, c'est pareil, ça marche pas, il faut être le disque 2, quoi, c'est chiant ça. Et pourtant, il y a le disque 2, hein. Ah, vous avez vu, hein, vous téléchargez les jeux, enfin vous téléchargez le pack si vous voulez. Mais je vous garantis pas que tous les jeux marchent. Hein. Vous pouvez les voir par curiosité.
C'est 4 gigas, c'est pas hyper lourd non plus. Voilà, il était triste. Je pense qu'il y a des jeux, des homebrew, des vrais jeux. Il y a un peu de tout. Il y a les Is. Je vais pas regarder s'il y a les Fantasy Star. Il y a les Is, ça y est. Est-ce qu'il y a un Zelda? Je sais pas, il y a encore un jeu de cartes. C'est quoi ça? C'est les cours d'école? Ça a l'air bien, hein, surtout la prof. Donc écoutez, je vous l'ai dit, je vous mets les liens, enfin je vous mets le lien dans la description vers la vidéo d'un espagnol, je crois, qui a fait la vidéo dessus. Dans le premier commentaire, vous avez les liens sur Google Drive. Vous téléchargez les quatre fichiers. Le point zip et le point 01, 02, 03. Vous dézippez ça avec WinRAR, ZZIP, ce que vous préférez. Vous transférez tout dans votre bateau Serra, dans le dossier X68000. Et voilà, vous pourrez jouer au jeu. Donc il y a des jeux qui sortent, je vous l'ai dit, et puis malheureusement, je vous montrerai quand même le Dracula. Voilà le Dracula, j'arrive pas à le lancer, on le lance. On va avoir le choix. Je l'ai bloqué sur 2 mégas de RAM. Il n'y a que ce choix qui marche, mais j'ai la musique, vous allez entendre. Mais pas les images. Voilà, c'est chiant. Donc allez, par curiosité, si vous voulez aller voir, jetez un coup d'œil. Là, il y a le Alien Syndrome aussi. Jetez un petit coup d'œil, ça vous coûte rien, vous pouvez essayer. De préférence, sur un bateau sera PC avec un clavier. Je vous dis, à certains jours, il faut le clavier. Et éventuellement une souris ou un trackball, on l'a vu pour le jeu de la bille. Mais voilà, par curiosité, écoutez, ça améliore toujours notre petite culture vidéoludique, je pense. Découvrir d'autres machines, d'autres choses. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires, un petit pouce si vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!